Tu crois avoir accompli quelque chose, petite fille? Sache que tu n'es rien. Et personne ne se souviendra jamais de toi! Pas même Loki! Tu ne seras qu'un chapitre oublié dans son histoire! Il sera trop occupé à pleurer son père! Si je te revois, tu regretteras de ne pas être morte avec tes parents! Tu es sûre qu'on fait bien de la laisser ici? Si jamais elle venait te chercher. Elle me laissait à manger avant. Quoi? Elle disait qu'elle n'en avait rien à faire de moi, mais... Parfois, quand je me réveillais, il y avait un pain posé à côté du feu. Il était cuit comme elle seule en avait le secret. Ce n'est pas un monstre, tu sais. Elle est perdue. Tu veux marcher? Par ici. Tu es parti plus longtemps que tu ne le crois. Unger Boda. Ça va. Ça devait arriver un jour. Nous serons rentrés une fois de l'autre côté de ce passage. D'accord. En deux manches gagnantes? Atreus. Une course! Allez! Je sais ce que t'essaies de faire. Tu prendrais ta revanche sur la dernière fois. La dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Il me semble qu'on était ex aequo. Je suis sûre du contraire. Alors prouve-le-moi. 1, 2, 3, partez! Allez. Alors, tu viens ou pas? Allez, allez, allez! Ton renard? Oh non, tu triches! Attention au virage! Je n'ai absolument aucune idée de ce que tu dis! Ce chant sent toujours merveilleusement bon. C'est sûr que ton nez est plus fin comme ça. Ne te laisse pas distraire! Hey, ça, plus vite! On va la voir! Non, je ne crois pas! Non, sûrement pas. On y est presque. Hop. J'ai dû me donner au maximum cette fois. Te donner? Tu étais sur un renard magique? Loki, Atreus, merci. Je suis désolé qu'elle ait été dure avec toi. Moi aussi. Bien, j'imagine que tu veux rentrer chez toi. Je te retrouverai à la fresque quand tu seras prêt. Je suis obligé de partir? Uniquement si tu le souhaites. Ma prophétie ne précise pas quand tu dois partir. Ma prophétie.
Sans leurs âmes, ils ont oublié comment se nourrir et courir. Je les amène ici car seuls, ils ne survivraient pas. Mais avec ces billes spirituelles, tu pourrais... Non. Je regrette. Mais je... C'est tout ça. Cette prophétie, c'est... C'est trop. Tu as cueilli d'autres verbulbes, non? Tu peux nourrir les animaux si tu veux. Tu n'y crois toujours pas, hein? J'y arrive pas. Tu penses que je suis stupide? Je pense... que tu tiens beaucoup à ton père et que l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose t'est insupportable. Viens. Je veux te montrer quelque chose. Lofey. Ma mère? J'aimerais qu'il ne soit pas vide, mais... Je sais ce que ça fait... de perdre un parent. Et même deux. Ta mère n'est peut-être plus là, mais ton père... Tu as encore le temps... de lui dire au revoir. Je comprends ce que tu veux dire. Et je te remercie. Vraiment. Mais... J'en sais rien. J'ai du mal à croire qu'on soit des pages d'une histoire déjà écrite. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Je ne sais pas. Je te l'ai dit,
Quand tu seras parti, mon rôle sera terminé. Alors, tu peux rester. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire ? Aucune idée. Mais je peux pas laisser mon père mourir. Il faut que j'y retourne. D'accord. Les étoiles sont différentes. Non. C'est toi qui es différent. Je sais qu'on se reverra. Bien sûr. Maintenant, ferme les yeux et serre-la fort dans ta main. Ne la lâche surtout pas. Ta maison, visualise-la et répète le mot. Maison. 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 Comme ça. Autre maison. Rejoindre Sindri et trouver un moyen de sauver mon père. Et garder le secret sur le bois de fer et Anger Buddha par-dessus le marché. Dans quoi je me suis fourré? À quoi tu pensais? Je voulais aller voir Fenrir. Pendant deux jours. Je... Arrête de me mentir! Pourquoi je te trouve ici? Tout seul? Cherches-tu à mourir? Pas plus que toi. Pourquoi? Parle. Qu'est-ce que tu refuses de me dire? J'ai tenté de suivre cette voie avec toi. Nous nous plions à tes caprices. Mais tu crois à rien de tout ça? Et pourtant je te suis! Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sauf. Mais c'est pas tout ce qui compte! Qui te protège, hein? Je n'ai pas besoin que tu me protèges.
T'en es vraiment sûr? Qu'as-tu appris? Je peux pas t'en parler. Mais tu dois me faire confiance. Moi, malgré tes secrets, je te crois. Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Tu cachais des choses. Mère cachait des choses, tu avais tes raisons, et moi aussi. Pourquoi tu ne veux pas? Oh!
Qu'est-ce qu'on vous a fait? Freya. Toutes les agonies, toutes les atrocités imaginables. C'est pas ce que tu veux. Calme-toi. Contrôle-toi. C'était notre ami. Peut-être que pour l'instant, tu me seras plus utile. Votre Majesté, quel plaisir de vous revoir. Broadleifer. Et ne le quittez pas des yeux. J'ai compris, petit gars. Avance plus vite que ça. Qu'est-ce que tu veux ? Je refuse de rester lié à ce royaume. Nous partons pour Vanaheim. Bon, ben je crois qu'il n'y a plus que nous. Oh. Et un passage pour Vanaheim, c'est parti! Comment voyageras-tu si tu es prisonnière? Jusqu'à ce que je trouve ce dont j'ai besoin, j'ai préparé un sortilège qui m'empêchera d'être attirée hors du royaume. De quoi s'agit-il? De la source de magie qui me lie à Midgard. Nous allons la trouver et la détruire. Je t'aiderai, mais cela ne changera rien à ce que j'ai fait. Je sais. Je déciderai de ton sort quand nous en aurons terminé. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Vous n'irez nulle part sans ça. Qu'est-ce que vous feriez sans moi pour vous sauver les miches? Et pourquoi as-tu besoin de Kratos, Altesse? Manifestement, tu as pu te défaire des malédictions d'Odin toute seule. Fimbulwetter avait affaibli les autres malédictions, et j'avais eu besoin d'aide pour les rompre. Celle-ci est puissante.
Alors, tous ces efforts pour le tuer, c'était simplement un divin appel à l'aide? Je ne me rappelle pas t'avoir demandé de venir. Parce que tu l'as pas fait. Je comptais retrouver une vieille compagne de beuverie quand l'occasion de lever le coude se présenterait. Comme on va sûrement finir par se rendre au même endroit, autant vous filer un coup de main. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh ben, aux dernières nouvelles. Elle musardait avec le pencu qui te sert de frère. Frayeur n'a rien à voir avec ça. Ouais, c'est pas ce que me dit mon petit doigt, ni mes baloches. Je sens l'attraction du sort d'obédience. Sa source est un peu plus loin. Suivez-moi. C'est encore pire qu'un bourbier de Muspelheim, Messi. Et ça sent presque aussi bon. Ce doit être à cause de Fimbulwerp. Mais si cela aide ces deux-là à faire la paix... Ce n'est qu'une alliance temporaire, Mimir. Au-delà de ça, il faudrait se faire confiance. Oh, je t'en prie. Tu sais bien que Kratos n'est pas la cause de tes souffrances. Vous êtes tous deux autant responsables de ma souffrance que Kratos. Hey, c'est vous digne de Villette pour détendre l'atmosphère. Qu'est-ce qui coule à cause du froid? Facile. Un nez. Il va falloir trouver mieux que ça, Brock. Attends de voir, gros malin. Bien, nous devons avancer. Ça, va nous falloir plus de magie que ce qu'on a sur nous. Par ici. Oh non. Ça ne va pas. Mon sort, je le sens qui m'échappe. Ah ben ça, c'est Fimbulwetter. Non, tu ne comprends pas. Je vais disparaître du royaume. Que peut-on faire? Une chose que j'espérais éviter. Je n'ai plus vraiment le choix. Falky! Allons-y. Tu pouvais contourner le sort d'Odin depuis le début? Non, je l'ai découvert quand vous avez ouvert le passage entre les royaumes. Et ce n'est pas une solution. Cette forme est extrêmement contraignante. Ah ben ça, c'est Fimbul... Arrête! Attention aux plantes. Elles sont très agressives avec cette humidité. Je reconnais ce marché. C'était un lieu de rencontre et d'échange pour les villageois. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconstruit? Qu'est-ce qu'on a là? Oh.
J'avais oublié à quel point j'aimais la castagne. T'es du genre à tout rafler, toi, hein? Où ont-ils bien tous pu passer? Ils ont dû se retirer. Se cacher dans les bois, après avoir couvert leurs traces avec la magie. Impossible de savoir combien ils sont, ni comment les retrouver. Les As n'ont pas fait de la dentelle ici, hein? C'est grâce à notre cher Mimir. Déclarer la guerre aux Vannes n'a jamais été mon idée. Moi, je voulais négocier un mariage pour y mettre fin. Et quel succès ce fut! Bien évidemment, la paix a été tout aussi désastreuse que le mariage. A-t-il lancé une nouvelle invasion, juste après m'avoir exilé? Hé, mais qu'est-ce qu'on attend? Allez! Mon frère, crois-tu vraiment qu'elle nous laissera en paix si tu l'aides? Je l'ignore. J'ai choisi de l'aider. Pour le reste, nous verrons. Oui. Ça a marché, hein? C'est des bricoles. C'est dommage que ça prenne la poussière. C'est une façon de voir les choses. Quel gâchis! Ça aurait été impeccable pour installer un atelier! Des nains à Vanaheim? Je serais curieuse de voir ça. Prends ça, le morpion!
tes deux balais sur nous. Vraiment? Revenir ici, ça fait remonter des souvenirs de ton mariage. Les gens bien... Sapé, la bouffe de premier choix. Mais ça rappelle aussi le scandale que nous avait fait ton frère. Pourquoi faut-il que tu l'évoques sans cesse? Laisse mon frère là où il est. Est-ce que c'est bien compris? Oh, je comprends parfaitement. Plus nous avancerons, plus la flore sera hostile. J'espère que tu es prêt, là. Écoute, les fratries foireuses, c'est mon rayon. Sindri et moi, on a été tellement longtemps sans se causer que c'était comme si j'avais plus de frères. Bon, c'était un peu de ma faute du fait que j'avais mis les boules. Mais ça m'a pas empêché de rejeter la faute sur lui la plupart du temps. Où veux-tu en venir? L'important, c'est qu'au bout du compte, c'était pas la fin du monde. On a fini par arrêter nos gamineries, et c'était comme s'il ne s'était jamais rien passé. Il est tout de suite redevenu le boulet que j'avais toujours connu. C'est ça, la famille. Mais faut faire avec, que ça vous plaise ou que ça vous rende marteau. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin d'entendre cela maintenant? Tout ce que je veux, c'est retrouver ma liberté. Et je ne compte pas me laisser distraire. Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que si tu finissais par parler de frère, votre pire conversation serait peut-être pas nécessairement votre dernière. Assez. Le jour où je me tiendrai à nouveau devant frayeur, c'est que je marcherai et que je serai libre, compris? Et pas tant que je serai coincée dans cet état ridicule. Tu tiens à ta fierté, je comprends. J'espère que ça te passera plus rapidement qu'à moi. Très touchante, cette histoire. Ferme-la. Jamais. Comment Odin s'y est-il pris pour les faire fuir?
Quelles armes a-t-il demandé aux nains de lui forger? Quelle part de dégâts revient à Mjolnir? Un seul homme peut-il en faire autant? Tout dépend de l'arme et de l'homme. Ce cours d'eau, il regorgeait autrefois de bateaux en provenance de différents villages. Je ne l'avais jamais vu si vide. Qu'est-ce que c'est? Pas maintenant, mon frère, on a de la compagnie. Pas vous retrouver les tripes à l'air. C'est bon, vas-y. Le balèze. Ton peuple ne reçoit plus de visiteurs. Je l'ignore. Ce n'est plus mon peuple à présent. Allez, on monte! Vous êtes bien content que Brock soit là pour veiller sur vous. Oh. Oh. Merde! Hein? Nous devrions sans doute aller le chercher. Sois sur tes gardes. Tiens, qu'avons-nous là? Le vieux borgne envoie un autre dieu faire le sale boulot? Thor est occupé? Nous ne servons pas Odin. Non? C'est pas exactement l'endroit pour flâner. Je me trompe? Oh, franchement, garde tes menaces, mon frère. Oh, je connais cette voix. Tu sais, je te couperai bien la tête. Mais on dirait que j'arrive trop tard. Ah, tu es perspicace, mon frère. Non, je suis pas ton frère.
Tu as vendu ma sœur à ce... chien. Pour avoir la paix. Oh! Tu y crois? Où est-elle? Hmm? Et où se trouve ma sœur? Dans un donjon d'Asgard? Est-elle au moins en vie? Réponds-moi. Dans ce cas, le sang va couler. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose à sa voix? C'est moi, Yngwie. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Écoute-moi. Ces hommes sont à mon service. Je suis là pour reprendre ce qu'on m'a enlevé. C'est trop tard. On ne peut défaire ce qui est fait. Je le peux. Crois-moi. Allez, laisse-les passer. Donc... vous servez ma sœur ? Comme nous tous. Détache-le. Alors, c'est comme ça qu'on traite ses vieux copains, vieille carne? Oh, tais-toi, blabeur. Allez. Bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je crois que je vais rester tailler le bout de gras. Oh, ben voyons. Comme tu voudras. Mon frère, si tu veux bien, j'aimerais m'entretenir avec le Seigneur Frayeur. Brock, je rêve ou t'es en train d'installer ton atelier dans ma forge? C'est pas parce que je t'ai embrassé que j'ai pardonné aux jumeaux Bécasso pour autant. On a tout réparé. Alors si tu veux aller te balader entre les royaumes, fais-toi plaisir. Pardon? Ma famille est ici. C'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais ça représente beaucoup pour moi. Pour moi aussi, je te ferais dire. Ou j'aurais pas pris la peine de me rabibocher avec mon empoté de frangin. Par les rayons de la lune! Je savais pas que les frères Uldre étaient de retour aux affaires. On habite même ensemble, comme une vraie famille. Alors, viens pas me faire la morale! Oh, 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 dans ce cas, donne-moi un coup de main à la forge pendant que tu me racontes tout ça. Dis-moi, Brock, tu comptes me présenter le bidon de lait qui te sert de garde du corps? Un peu que j'y compte! Lui, c'est Kratos. Mais tu peux l'appeler comme ça te chante. Kratos, Lunda, une vieille connaissance. C'est mieux que rien, j'imagine. Qu'est-ce que ce sera? Un besoin spécial? Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Bonjour, serviteur de Freya. Ne lui parle pas. Il est temps que tu t'en ailles, étranger. Peut-être qu'il pourrait nous aider.
Il n'y a pas de raison d'être désagréable. Je peux t'en donner une bonne dizaine. Laisse-nous. Va t'occuper de ton oiseau. Ce camp doit rester secret. Compris ? Je ne compte pas le mettre en péril. Non, il n'oserait pas. Bien. Désolé, étranger. On est parti du mauvais pied. On a surtout l'habitude de croiser des ases par ici. Les visages amicaux se font rares. C'est bien un visage amical, hein ? Son nom est Kratos, et non. Les ases sont à Vanheim ? Ils occupent le royaume depuis... trop longtemps. Quel est ton plan ? J'y travaille toujours. Mon frère, je crois que je peux me rendre utile. Si mon avis est le bienvenu. Je t'écoute. Dis-moi. Ta mission sera nettement plus facile si je ne suis pas dans tes pattes. Reviens me chercher quand tu auras fini. Hé, hey, Kratos. Si tu travailles pour ma sœur, prends garde à ne pas faire d'erreur. Pardon, n'est pas son point fort. Je crains que ce ne soit un peu trop tard. Très bien. Voyons ce que nous avons là. Parle-moi de ton armée. Je viens de la rencontrer. Quoi ? Vous cinq ? Contre toute l'armée d'Odin ? Six, en comptant le chien. Oh, misère. Eh oui. Sais-tu combien ils sont ? Oh, tu sais, nombre, manœuvre, avant-poste. On est bien renseignés, mais... on manque un peu d'effectifs. Je vois. Eh bien... jetons un coup d'œil à cette carte. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour nous distraire. J'ai des choses à te dire. Je t'écoute. Cette colère que tu ressens pour ton frère, je la connais bien. Tu as un frère ? Son nom était Deimos. Quand nous étions enfants, il fut enlevé par deux dieux obnubilés par la prophétie. Les dieux de ma terre ne laissaient que peu de vie sauve. Et quand j'ai enfin appris qu'il avait survécu, il était trop tard pour me racheter. Sa haine s'était retournée contre moi. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Penses-tu que ma colère soit injustifiée ? Tu as à peine entrevu Freyr, et déjà tu prends sa défense. Je ne prends pas sa... Non. Tu ne fais que donner ton avis sur un sujet auquel tu ne connais rien.
un ancien. D'avoir eu tant de mal à te tuer.